L'Esprit du Seigneur m'amène. Je me vois présentement au Sénégal. Le Sénégal, c'est un pays béni. Un pays béni du Seigneur. Dieu est en train de bénir cette nation. Cette nation qui est en train d'être délivré. Pourquoi je dis délivré? Je vois les drapeaux de cette nation, le Sénégal. Je vois le drapeau de cette nation très, 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 très propre. Et ce drapeau est en train de flotter avec un vent très doux, tellement que c'est propre comme un nouveau drapeau là. Dieu me dit, il est en train de restaurer la nation. Que les Sénégalais écoutent ce message. L'année 2023 qui arrive, j'ai vu au niveau du Parlement beaucoup de lois qui seront votées. Mais ces lois seront votées en faveur du peuple. La population est en train de jubiler. Je vois presque dans toutes les rues, on est en train de célébrer les chefs. On est en train de scander même des chants. On est en train de les louer. Il y a un mouvement, il y a un réveil de l'autre côté du Sénégal. Il y a un réveil qui arrive. Il y a un réveil qui arrive. Dieu me dit même d'annoncer, de dire à l'église de cette nation, l'église du corps du Christ, de beaucoup prier et de soutenir les autorités en place. Oui, les autorités qui sont là maintenant. Je vois des immeubles, le pays qui est en train d'être construit. Il y aura un moment où les Sénégalais ne vont pas envier des choses ailleurs, parce que tous ces dons, ils auront besoin. Ils vont les retrouver dans leur propre pays d'origine. Et Dieu me donne avec beaucoup de précision. Il y aura des avancées significatives du développement au Sénégal d'ici l'année qui commence 2023. C'est une année stratégique. Il y aura la révolution au Sénégal. Je vois un pays qui est en train d'être construit et les drapeaux très, très, très propres. On ne parlera pas de la rébellion, de la déstabilisation. Il n'y en aura pas. Dieu est en train de restaurer la nation. Il est en train de rendre cette nation propre. Il est en train de donner la paix et la délivrance. Alors, nous devons beaucoup prier pour cette nation. La nation sénégalaise sera une nation modèle en Afrique. On parlera du Sénégal. Il y aura beaucoup de bonnes choses au Sénégal. Les développements surtout. Je vois même les autorités qui vont beaucoup combattre Le chômage et la corruption. Et les jeunes vont trouver du travail. Je vois la stabilité. Des choses vont venir. Et on me dit de parler à l'église, corps du Christ du Sénégal, parce que vous avez beaucoup prié pour votre nation. Et voici maintenant la délivrance de la nation qui est en train de venir. Mais vous devez beaucoup prier pour votre chef. Quand je dis le chef, je vois le président de la République. Vous devez beaucoup prier pour lui. Beaucoup, beaucoup. C'est un homme à soutenir. Vous devez beaucoup le soutenir. Je le vois avec beaucoup de projets, des bons projets pour sa nation. Et ce développement est en train de m'étonner parce que je vois des grandes choses que Dieu va faire. Priez beaucoup. Et le réveil aussi dans le secteur religieux. Je vois encore le Sénégal qui va impacter l'Afrique. Au niveau de la religion, surtout les églises évangéliques, les églises dites des réveils, je vois un réveil où je vois de grandes manifestations. Je vois les églises remplir des grands stades au Sénégal et faire de grandes réunions où les malades sont guéris, où les morts sont ressuscités, où je vois la gloire de Dieu remplir cette nation, remplir ce pays, le Sénégal. Écoute la voix de l'Éternel. Sénégal, c'est ton temps.
Sénégal, prie. Lève-toi dans la prière. Dieu va susciter de nouveaux prophètes au Sénégal. De nouveaux serviteurs dédiés au Sénégal. Et je vois un nouveau vent au Sénégal. Et Dieu va faire ces choses parce que c'est le moment où ce pays doit se relever pour que ce pays soit modèle. Voilà. Voilà. Priez beaucoup pour le Sénégal. C'est son temps. L'année qui arrive, vous verrez ces choses. Il n'y aura pas de mauvaises nouvelles si ce n'est que des bonnes nouvelles que l'Éternel a voulu parce que c'est la délivrance de cette nation. Ainsi dit l'Éternel pour le Sénégal. Et que Dieu bénisse le Sénégal, que Dieu bénisse les autorités, que Dieu bénisse toute la classe politique et surtout que Dieu bénisse le réveil au Sénégal. L'Église Corps du Christ, au nom de Jésus. Amen.